Suite à la demande de nombreux abonnés, on va réaliser pour vous un nouveau déballage de jeux. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous ne regretterez pas. Hé hé, salut les amis. Aujourd'hui, j'ai ramené quelque chose qui va vous intéresser. Voici la mallette Slime Case de So Slime avec plein de trésors. Ce qu'elle contient va nous permettre de faire plein de slime amusants. Du slime métallisé qui brille comme cette sirène. On pourra faire aussi du slime arc-en-ciel, aussi coloré que cette licorne. Du slime fluorescent qui brillera comme cette étoile. Et du slime pailleté qui sera aussi mignon que ce chaton. Et en plus de ça, la mallette contient des surprises. 3 pour être exact, mais on les découvrira plus tard. Donc voici venu le moment d'ouvrir notre boîte magique. 1, 2, 3, et le dernier morceau, nous y voilà. Allez, ouvrons-la. Ah, il y a différents gobelets colorés. Voyons voir. Je pense que c'est un gobelet pour faire le slime. Mettons-le de côté. Il y a aussi 2 autres gobelets colorés là-dedans. Très joli. On n'a plus besoin de ça pour le moment. Ah, on a aussi plein d'autocollants. On peut écrire des trucs ici et décorer nos créations. On y reviendra plus tard. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Ah, un sachet qui semble contenir tout plein de choses. Waouh, il y a tout plein de sachets de paillettes. Et regardez cette figurine. Oh, trop mignon. C'est un petit Carline licorne. Il ressemble trop à notre petit Cookie. Qu'est-ce que je vois par là? Ah, c'est un chat de l'espace. Et une sirène. Waouh! Superbe, ces petits jouets. Ok, et voici les principaux ingrédients pour notre slime. Il y a différentes couleurs très vives. Et ici? Oh! De jolis petits cœurs. Et il y en a partout sur la table. Je vais mettre un peu d'ordre là-dedans. Ici. Voilà. Tous nos ingrédients sont prêts. On peut commencer à faire du slime. Oh, il me manque l'eau. Sam, où es-tu? Je suis là. Tu m'appelles et j'arrive. Voici ton eau. Merci, Sam. Bon, il est temps de choisir une couleur. Ah, je crois que je vais commencer par celle-là. Je découpe le coin et je verse. Voilà. Oh, il y a vraiment beaucoup de poudre. On verse tout ce qu'on peut. Et maintenant, prenons ces merveilleuses petites étoiles. J'ouvre le sachet. Hop. Et je verse les étoiles dans le gobelet. Elles sont vraiment belles. Toutes petites, mais super bien faites. Elles brillent comme de vraies étoiles. Et maintenant, j'ajoute de l'eau. Ça m'a apporté la quantité exacte. Ce gobelet est suffisamment transparent pour voir au travers. Alors les amis, c'est le moment le plus amusant. On secoue bien fort, comme un cocktail. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. Ok, je vois que le mélange s'est épaissi, mais on va le mettre de côté pour l'instant et attendre 5 minutes. Et en attendant, on peut écrire sur les autocollants. Vous pouvez écrire votre nom ici. Moi, c'est Su. Mais vous devez écrire votre propre prénom. Je décolle mon autocollant et je le mets sur le gobelet. Comme ça. Voici à quoi ça va ressembler. Mettons-en un autre sur le couvercle. J'aime bien celui-là. Voilà. Et on le colle comme ça. Il est superbe comme ça. Il est maintenant temps de vérifier notre slime. Est-ce qu'il a bien pris? Oui! Waouh! C'est incroyable! Une vraie galaxie! Oh, c'est tellement agréable de jouer avec! Comme ça, par exemple. Et on les tire. Oh! Génial! C'est super doux et élastique. On peut en faire ce qu'on veut. Comme ça, par exemple. Cool! J'adore ça! Et on presse.
J'aime vraiment cette couleur. Allez, retourne dans la boîte. Je vais la fermer avec le couvercle pour empêcher le slime de sécher. Ah, jaune ou rose? Rose ou jaune? Lequel choisir? Jaune, bien sûr. Non, jaune. Sam, aurais-tu peur d'avoir un concurrent rose? Je crois que c'est celui que je préfère. Peut-être vert, alors. Peu importe, Sam, je vais faire les deux. Vous savez maintenant comment ça marche. On ouvre le sachet, comme ça. Et on verse, comme ça. Et on ajoute des paillettes. Les roses avec le jaune. Et les argentés avec le rose. On n'a plus qu'à verser l'eau. Je vais faire les deux à la fois. Hop! Maintenant, les couvercles. Fermeture des portes. Et voici l'heure du cocktail. Check, 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 check. La, 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 la. Check, 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 check. Yes! C'est suffisant. Écrivons maintenant sur deux autres autocollants. On va écrire à Sam, ici. Et ici. Moi et... Sam. On va coller ça sur nos gobelets. Celui-là ici. Doucement. On le retourne et voilà. Ta-da-da. Et j'ai décoré le deuxième gobelet comme ça. La-la-la-la-la-la-la-la. Si, les 5 minutes sont passées depuis longtemps. Ouvrons-les, vite. Découvrons ces slimes 100% paillettes. D'accord, Sam. Comme tu veux. Commençons par le tien. Waouh, il est super cool. Très doux. Oh, et il brille aussi. Il s'étire drôlement bien. Oh, j'adore ces paillettes. Regardez, mes mains en sont couvertes. Cool. Je vais les tirer à fond. Et l'enrouler comme ceci. Ça ne vous rappelle rien? Voyons maintenant ce qu'il y a ici. Hop! Oh, il est vraiment scintillant. Magnifique! Regardons de plus près. Waouh! Il y a tellement de paillettes dans ce slime. Je pourrais le presser et jouer avec pendant des heures. J'adore vraiment ces slimes. Allez, Sue, fais-nous encore d'autres slimes. Tu les fais super bien. Oh, merci, Sam. Mais pourquoi se presser? On a le temps. Apporte-moi de quoi ranger ces slimes. Nos gobelets sont tous pleins. Une seconde. Voilà. Comme ça, on pourra garder ces slimes plus longtemps. Oh, t'assures, Sam? Merci. Rangeons nos créations ici. Ces deux-là sur les côtés. Et le jaune au milieu. Je referme les couvercles. Allez, ferme-toi. Ah, il faut s'assurer qu'ils soient tous bien fermés. Bon, on a déjà fait deux slimes en même temps. Essayons d'en faire trois. J'espère que je vais y arriver. On met nos cœurs ici. Les paillettes roses ici. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans celui-là? Ah, j'ai une idée. On va mettre ces jolis petits jouets dedans. 1, 2, 3. Je verse l'eau dans ces deux-là. Et dans le troisième. J'enferme 2. Et 3. Et maintenant, on les prend tous et on secoue. Check, check, check. Allez, encore. Check, 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 check. Oh, j'en ai mal au bras, les amis. Je vais vérifier si c'est prêt. Ah ah, à en juger par l'apparence, je pense que c'est prêt. Plop. Ça m'a surprise. Voyons voir. Oh, ce slime est encore plus doux que les autres. On aurait presque envie de les manger. Regardez tous ces petits cœurs qui brillent. C'est hallucinant. Les amis, je n'arrive pas à m'arrêter.
Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Mais je vais le mettre de côté pour le moment. Allez. Tu n'as pas oublié quelque chose? Oh, mais oui, bien sûr. Merci, Sam. Et on le ferme. Passons au suivant. Allez, viens. Oh, cette couleur est incroyable. J'adore. Essayons de les tirer un peu. Magnifique. On dirait une vague bleue. On a envie de surfer dessus. J'ai vraiment l'impression d'avoir de l'eau dans les mains. C'est comme si je la contrôlais. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Vous en pensez quoi? Il va falloir voter pour le plus joli de tous. Mais il en reste encore un. Le voilà! Et... plop! Voici ma nouvelle manière de les ouvrir. Ah, ça me rappelle un peu les flushies. Il y avait aussi des jouets dedans. Et le slime était également vert. Ce slime est vraiment délirant. Waouh! Celui-ci est vraiment mieux que celui des flushies. Et tellement plus agréable à malaxer. Ces jouets sont différents au toucher aussi. Génial! Allez, ça suffit, il est temps de ranger notre dernière création dans sa boîte. Trop bien! Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aujourd'hui et même plus. Il ne nous reste plus qu'à tout ranger dans la mallette magique. Je l'ai décoré avec les autocollants! Sam, c'est super joli! Beau travail! Allez, on l'ouvre! Voilà! Je les prends un par un et je les range à l'intérieur. Oh, il reste énormément d'espace vide maintenant. Bien, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce en l'air et laissez un commentaire. Nous ferons encore d'autres vidéos sur ce genre de jouets. À bientôt!